بدعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Nous sommes en ce jour lundi 1er mai 2023 correspondant au 11 Shawwal 1444. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le triomphe de la vérité sur les mensonges. Le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique inventée par les ennemis de l'Afrique. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire du patronyme Camara et du patronyme Ndoye. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Mon peuple périt, forte de connaissances. Heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Partons à la découverte des Camara et des Ndoye. L'Afrique est le continent des grands mystères. Nous enseignons ce qu'on a le droit d'enseigner et nous gardons secret ce qui doit rester dans la case des secrets. Vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous. Nous allons déclencher les mécanismes vibratoires du dévoilement mystique. Camara et Ndoye. Alors, quelle est l'origine de ces noms, de ces deux noms de famille, de ces deux patronymes? Prenons d'abord Camara. Commençons par Camara. Il s'agit de deux frères, Koulibaly. Le frère aîné et le frère cadet. Alors, nous sommes au centre du Mali, dans le royaume de Dja. Oui, nous sommes au centre du Mali, dans le royaume de Dja. Le frère cadet s'appelle Binani Koulibaly, donc le chiffre 40, Binani. Je répète, le frère cadet s'appelle Binani Koulibaly. Donc, si vous voulez, Binani traduit en français, ça nous donne 200 francs CFA. Voilà. Mais, en nombre, on dira 40. Quand vous comptez 1, 2, 3, jusqu'à 30, jusqu'à 40. Donc, 40. Donc, Binani Koulibaly. C'est lui qui deviendra Camara. Voilà. Donc, le frère cadet, Binani Koulibaly, deviendra Camara. Comment? Nous sommes dans le royaume de Dja, comme je le disais. Binani fait le travail de la terre. Il aime l'agriculture et l'élevage. Il sait comment exploiter la terre. Il connaît les secrets de l'agriculture. Il sait prendre soin de la terre et des plantes, et la terre en retour ne lui refuse rien. En matière d'agriculture, tout ce qu'il met dans la terre réussit bien. Le roi des céréales, c'est lui. Beaucoup de fois, il offre des quantités importantes de vivres aux familles qui manquaient de céréales. Binani Koulibaly, il accueillait tout le monde chez lui. Comme on le dit au Sénégal, il accordait la teranga à tout le monde. Il accordait l'hospitalité à tout le monde. Eh bien, fort de toutes ses qualités, voilà ce que son grand frère va dire. Alhamdoulillah, Rabbil Alamin. Je loue
Dieu pour m'avoir donné un jeune frère qui a le sens des responsabilités et qui sait véritablement comment rassembler les gens, comment organiser et gérer les ressources dont il dispose dans l'intérêt général de la communauté. Maintenant, avec un tel frère derrière moi, je peux m'absenter pour me consacrer à mes aventures de chasseur dans des contrées lointaines. Ainsi donc, le grand frère, très confiant, a confié à son petit frère les clés de la case des secrets mystiques léguées par les grands-parents. Il a confié à son petit frère tous les secrets mystiques de la famille. Petit frère, je t'ai confié tout. Autant Nabi Ibrahima a été le confident de Dieu le Tout-Puissant, autant toi aussi, tu es mon confident pour l'éternité. Désormais, tu es le gardien des secrets. Désormais, tu es le gardien de la famille. Niedou Khalifa Ila. Niegundo Khalifa Ila. Voilà ce qu'il dit en Bambara. Niegundo Khalifa Ila. Umara Khanya. Niedou Khalifa Ila. Bi. Amara. Amara est devenu Kamara. Kamara est une déformation lexique de Amara. Amara qui veut dire garder, protéger, prendre soin. Eh bien, ce sont les descendants de cet homme qui sont allés s'établir dans le territoire situé sur la rive droite du fleuve Sénégal. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Eh bien, je disais que ce sont les descendants de cet homme qui sont allés s'établir dans le territoire situé sur la rive droite du fleuve Sénégal. C'est ce territoire qui est appelé aujourd'hui la Gambie. De façon précise, ils se sont installés là où se trouve Banjul, la capitale de la Gambie. À cette époque, mesdames et messieurs, ce territoire n'était pas habité. Les Camaras seront les premiers habitants de ce territoire. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sont ces Camaras que l'on appelle les guerriers Kagoro. Oui, les guerriers Kagoro. Au début, c'est une seule famille. Alors, le patriarche de cette famille, Camara, est le mari de quatre femmes. C'est un polygame, il est le mari de quatre femmes. Sa deuxième femme a eu une seule fille. Cette unique fille s'appelle Andoye Camara. Mais au fur et à mesure, pour aller plus vite, les gens ne diront plus Andoye, les gens diront tout simplement Ndoye Camara. Quand elle a atteint l'âge du mariage, elle a épousé Babou Fofana, un maître coranique qui est venu se joindre à eux après avoir terminé ses études coraniques à Mema, chez les Tunkara. Je rappelle que Mema, le royaume de Mema, c'est là où Sundiata Keita et sa mère Sogolon Diata, Sogolon Kone, étaient comme réfugiés. Donc Sundiata et sa mère et son petit frère Mandem Boukari et ses deux petites sœurs, voilà, c'est dans le royaume de Mema, chez le roi Moussa Tunkara de Mema qu'ils avaient trouvé refuge. Voilà. Alors, je disais que la fille unique, Andoye,
va épouser, sinon a épousé Babou Fofana, un maître coranique qui est venu se joindre à eux après avoir terminé ses études coraniques à Mema chez les Tunkara. Eh bien, ce couple aura des enfants. On va les appeler les Ndoy. Ndoy est la déformation lexique du nom de leur mère. Leur mère s'appelle Ndoye. Alors, pour aller plus vite, les gens l'appelaient Ndoye. Puis, pour désigner ses enfants, tout le monde disait les Ndoye. Plus tard, les Ndoye sont devenus les Ndoy. C'est en Gambie et au Sénégal que l'on retrouve majoritairement les Ndoy. Donc, à l'origine, les Ndoy sont des Fofana. Mesdames et messieurs, chers abonnés et chers followers, on leur a attribué, oui, on leur a attribué le prénom de leur mère. On leur a attribué le prénom de leur mère. Alors, voyons ensemble. L'origine est la signification du prénom Ndoye. Ndoye signifie « Elle est l'une des nôtres ». C'est la langue Bambara. Si vous voulez, la langue Malinké. Voilà, Bambara, Malinké, c'est la même chose. C'est la langue Bambara. Donc, Ndoye. Ayez Ndoye. Elle est l'une des nôtres. Elle n'est pas étrangère. Elle est du sang Camara. Elle sera la bienvenue partout. Elle sera bien accueillie partout où elle ira. On lui accordera l'hospitalité partout, dans toutes les maisons. C'est l'origine de la teranga sénégalaise. Voilà. Voici l'origine de la teranga sénégalaise. Mesdames et messieurs, l'histoire est un témoignage. Il y a eu trop de mensonges dans l'histoire et nous devons rétablir la vérité historique. C'était votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.